même si l'annonce du line-up c'est maintenant, line-up CSGO, tout ça, vous connaissez la première personne. Oui, vous connaissez la première personne qui va faire partie du line-up, mesdames et messieurs, mais je vais quand même vous faire une petite vidéo de présentation pour vous annoncer la première personne, mesdames et messieurs, puisque il s'agit d'un joueur que vous connaissez un petit peu. Regardez, on regarde la vidéo et juste après, on l'appelle en vocal, c'est formidable, à tout de suite. Incroyable moment est avec nous ce soir. Allô Manu. Allô, est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il Allô, est là? Oui, bonsoir. Ah, il est là. Ça va Manu? Bah ça va, et comment tu vas toi Adrien? Ça va, quelle surprise d'avoir moment wow dans l'équipe. Et oui, j'ai quand même accepté, c'est-à-dire je l'ai pas viré, j'aurais pu, hein. J'aurais pu au dernier moment dire voilà, finalement, je suis pas dispo. Voilà. Bon, on a joué avec Moment, évidemment, c'était pas une surprise, mais comme il y avait la petite vidéo à faire, je trouvais ça rigolo. On avait fait une vidéo pour les trois autres, donc je me suis dit, on va la faire aussi pour Moment. C'était très, très agréable. Bon, alors comment tu vas? Oui, oh, t'es chaud là, parce que ce soir, c'est la première fois qu'on joue en équipe tous ensemble. Évidemment. Ah ouais, c'est magnifique, l'équipe, de jouer une première fois. Ça va être un peu la débandade au début, mais ça va très bien se passer, puisqu'on aura les bases, et c'est ce qui est important. C'est sûr et certain. Parce que faut se dire qu'une DreamHack, hein, c'est pas n'importe laquelle, hein, c'est la DreamHack Winter, c'est ouais, la plus grosse LAN, je pense, peut-être du monde. La plus grosse LAN du monde, ouais. La LAN qui explose, qui a tout avec, il faut vivre au moins une fois quand t'es gamer, et c'est la belle époque, quoi. C'est vrai que c'est une grosse LAN. Bah, tous les gens qui ont un petit peu joué à CS, oui, en milieu compétitif et surtout même avant CSGO et tout, connaissent la DreamHack. Même les gens qui ont joué à Warcraft 3 ou même à Starcraft, parce qu'il y a eu du Starcraft à la DreamHack, je crois, dans le passé. Et bah, forcément, c'est un peu... C'est pas, disons, on va dire un rêve pour tout le monde, mais en tout cas, c'est une grosse ambition pour la plupart des gens, puisque c'est une LAN avec 11 000 PC. Bon, certes, il n'y a pas 11 000 personnes qui font le tournoi CSGO, comme je l'expliquais, mais il y a beaucoup de gens qui vont faire ce tournoi-là. Nous, on va faire le tournoi BIOC, donc c'est Bring Your Own Computer. Donc, c'est Ramène ta tour, bâtard. C'est le tournoi RTTB, bien sûr. Et on y va. On s'organisera pour y aller. Pour l'instant, on n'a pas encore... on n'est pas encore organisé pour y aller et on n'est pas sûr d'avoir une place dans le tournoi. Mais on vous fait l'annonce du line-up. Et au moins après, ils auront la pression parce qu'on leur dira ah, on l'a annoncé, vous comprenez. Ce serait bien de nous filer une place et tout, donc voilà. On va accueillir le deuxième joueur juste après la vidéo. Moment, est-ce que tu peux nous teaser un tout petit peu ce joueur sans révéler qui c'est? Ok, je peux teaser, c'était un très très jeune joueur qui était connu de nulle part, qui a été, on va dire, pris dans une équipe et qui a été bien coaché, entre guillemets, ouais, par ses coéquipiers. Il est monté en flèche, je l'ai bien côtoyé. Et, c'est un bon indice. Il a explosé et il a fait partie, il a touché le top du monde et de la planète. Donc joueur CSGO. Oui, joueur de CSGO qui n'est pas si connu que ça de votre côté, mais qui est connu de la scène puisqu'il a quand même bien explosé et jeune joueur, donc vous pouvez enlever les noms que vous balancez sur le chat. Allez, on regarde tout de suite la vidéo et ensuite on l'accueille sur le vocal. À tout de suite. Body qui nous rejoint. Allô. Allô, allô. Il est là. Putain, il est chaud. Il est déjà. Salut, il est déjà, salut. Il est déjà patate. Ça va bien? Ça va super. Et toi? Et vous? Moment. Bah, ça va. Écoute. Bon, alors moi, le truc c'est que moi, on se connaît pas, hein, avec Body. Pour vous donner une idée, c'est même pas moi qui l'ai invité dans l'équipe. Mais ça, on en reparlera plus tard. Mais moi, je suis très content d'accueillir un joueur de ce talent-là, parce que franchement, c'est une aubaine de t'avoir. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté ce projet incroyable dans lequel tu vas devoir me PL entre autres. Donc ça fait plaisir. Est-ce que, je sais pas. Vas-y. Moment et Body, vous pouvez discuter. Moi, je suis là, mais en fait, moi, je suis tranquille. Donc allez-y, discutez. Bah, en fait, ce qui est marrant, vas-y, parle. Non, je t'écoute. Après ce qui toi, est marrant, coach. C'est que... Ouais. Non, j'avais pas coaché, c'est pas la même chose. Mais en fait, quand j'ai dit coaché, c'était parce que par rapport à surtout Maten qui t'avait pris quand t'étais un petit et qui t'a fait monter. Et ça me fait plaisir de pouvoir avoir déjà, parce qu'on n'avait pas beaucoup parlé depuis que t'es parti chez G2, quand tu nous as laissé tomber comme traître. Oh là là. Oh là là. Trop bien, ça balance. Sans mauvaise base. Mais je suis vraiment très content parce que on sait, enfin, les joueurs qui connaissent Counter-Strike savent qui tu es. Tu viens de... T'étais un jeune, t'as explosé, t'as la bonne mentalité, t'as la bonne pression, t'as tout ce qu'il y a avec et c'est un joueur que j'ai toujours apprécié et ça me fait tellement plaisir de pouvoir jouer à tes côtés.
Moi aussi, bébé. Bah, en tout cas, merci de m'avoir appelé. Enchanté, Zera. Je t'ai jamais pas parlé de souci. Non plus du coup avant. Merci pour le piston, Enchanté. Nathan. Parce que, voilà, une fois de plus, j'étais pistonné. C'est vrai que c'est NBK qui m'avait donné ton contact. C'est NBK qui m'avait donné ton contact. Et parce que j'avais commencé à demander à NBK, il m'avait dit ouais, tu sais, c'est chaud en ce moment, machin et tout. Et finalement, il m'avait dit mais moi, je peux peut-être te trouver quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est Body. Et voilà, incroyable. Incroyable. Incredible. Ah. Merci en tout cas. Bon, en tout cas, écoute, juste après, on va jouer. Donc, tu nous montreras de quoi tu es capable. Et moi, je te montrerai à quel point il y a du boulot. Donc, voilà. On va parler du joueur suivant, donc du quatrième joueur. Alors, ce quatrième joueur, comment vous expliquer ? Moi, je le connais un peu. Pas tant que ça. C'est un joueur qu'on a déjà croisé. Je sais pas, qu'est-ce qu'on peut dire, Moment ? Qu'est-ce que tu pourrais dire sur ce joueur, le prochain ? Pas mauvais sur Minecraft. Alors, j'aurais pas dit Minecraft. J'aurais dit. C'est quoi son jeu de prédilection ? Ouais, non, oui, si, Minecraft, ça va. En vrai, ça va Minecraft. Vite quand même. Ouais. Ça va très vite. Mais j'aurais peut-être pas dit ça. Il est OK à Trackmania aussi ? Il est OK à Trackmania. Et bon, écoute, le mieux, c'est qu'on regarde la vidéo et ensuite, on se retrouve juste après avec lui en vocal pour voir de qui il s'agit. A tout de suite, on revient juste après. Oh la vache, mesdames et messieurs, il s'agit de Carl Junior. Bonsoir. Yo. Carl Junior est avec nous, oui. Carl Junior, le joueur canadien qui est OK à Minecraft, OK à Trackmania. Ça va, Carlos? Trop bien, mais un peu déçu quand même. Quoi, pourquoi? Juste, lors de présentation, j'ai pas trop aimé. Vous hypez le truc, vous présentez un pro sur CS, puis après, moi. Mais non, mais en fait, on fait dans l'ordre de force de CS. Tu vois, on a commencé par moi, après c'est Manu, après Body, après toi. Alors imagine le dernier, Je pense que juste après moi, il y a Simple par contre. Ouais, voilà, non mais pas de spoil. Oh merde. Non mais évidemment, donc bienvenue à toi Carl, très content. Donc tu joues un peu à CS, parce qu'il y a des gens qui te connaissent beaucoup de Trackmania bien sûr, mais il y en a qui savent peut-être pas que tu joues à CS, et en fait, t'as déjà joué à CS dans ta vie. Dis-leur, raconte-leur ton niveau un peu. Raconte. Oui, ben je suis bon en NA. Donc voilà. Il est bon en NA. Je sais pas ce que ça vaut, mais je dois faire mes preuves ce soir. J'en sais rien. Manu, c'est quoi bon en NA, tu penses que ça suffira? Oh bah vu qu'on joue en Suède, ça sera non, ça se rapproche pas du NA, hein, donc ça va être bah on va voir ce que ça va donner. Hein. Les gens disent t'es peut-être Nova en Europe, un truc comme ça. Ah, Nova. OK. Mais non, mais ben, donc t'es déjà passé global sur CS quand même, faut expliquer aux gens. C'est ça? Ouais. Tu mets global en NA. Ouais, ah, mais c'est ça. Non, mais c'est comme. Silver Elite, genre. C'est comme, c'est comme Manu quand il est Grandmaster sur le serveur NA de CS, de C2, pardon. Je commence à ne plus viser le sol. Ah, voilà, c'est bien. Rendu là. Bien. Tu joues sur d'autres maps que Dust 2? Bah non, j'imagine que tu connais qu'une map. Non, normal, évidemment. Dust 2, puis c'est tout. Normal, je comprends. Je connais pas encore les spots sur Dust 2. Je sais que c'est une team française. Donc, ouais. La grande allée. La grande allée, la corniche. Va falloir bosser. Bon, alors on va parler du dernier joueur, mesdames et messieurs. Bon, qu'est-ce qu'on peut en dire? Bon, c'est un joueur français cette fois. Pas de suspense sur la nationalité. Je ne suis pas si sûr que ça. Hein. Tu crois qu'il n'est pas français? Maintenant, là? Là, maintenant. Là, maintenant. Ah, bah c'est comme toi. Là, maintenant, t'es français. Mais sinon... Ouais, OK. D'ailleurs, je me demandais, parce qu'on l'a pas mis dans le trailer, toi, ta nationalité, t'as la double? Ouais. Ou t'es que espagnol ou que français? J'ai la double nationalité, j'ai double passeport. Ouais, t'as la double, hein, on est d'accord. C'est bien ce que je pensais. Bon, c'est un joueur français. Il est... Bon, je dirais que c'est surtout un animateur, moins qu'un joueur. Vous avez vu qu'on a quand même Body, donc c'était quand même le but d'avoir des joueurs et des animateurs. C'est quelqu'un qui, je pense, sera pas trop loin de mon niveau, mais qui va devoir bosser également. Mesdames et messieurs, on regarde la vidéo et juste après, on en parle en vocal. À tout de suite. Il s'agit d'NBK, évidemment. Bonsoir. Et salut. Il est là, mesdames et messieurs. Alors, beaucoup de gens avaient deviné hein, pour NBK. Voilà, c'est insupportable. On peut rien faire. On peut rien faire avec vous. Comment ça va? Mais ça va très très bien cette soirée. Et vous-même tous?
Bah écoute, moi ça va, j'ai l'impression qu'on est là, mon pote. J'ai l'impression que tout va bien. Bon, alors, c'est évidemment. Donc, c'est NBK, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, qui m'avait conseillé Body. On était là tous les quatre, et puis on se disait, quel cinquième pourrait nous rejoindre. Et il m'a dit, bah tu sais, je pourrais demander à Body, ce serait sympa et tout. Et j'étais là, ouais, Body, ouais, ça m'a l'air d'un nom de random, ça. Et puis j'ai dit à Manu, c'est qui ça, Body? Il m'a dit, ah non, t'inquiète, ça devrait aller en termes de level et tout. Et je suis allé voir, et effectivement, tous ces joueurs sont des monstres. Donc, vous avez compris, le line-up, c'est donc NBK, Moment, Carl Junior, Body. Et Zerator, je vais donc devoir un petit peu bosser. Bon, alors NBK, bah, vas-y, hein, je t'en prie, vas-y, raconte-nous à quel point ça va bien se passer, raconte-nous ton actu. Alors toi, c'est compliqué parce que ton actu est très chargé, il y a des trucs qui ont leak, mais on va pas en parler, même si évidemment ici, tu sais, la parole est libre. Mais à tout moment, tu fais ce que tu veux et si on parle de choses gênantes, tu nous mets un coup sur la tête et puis on repart dans d'autres joyeusetés, d'accord ? On fait monter les viewers. Ouais, voilà. Non, mais de toute façon, c'est assez clair, hein. Je suis sur le banc de Vitality à l'heure actuelle et voilà. Phase, et c'est tout. Et en phase d'aller ailleurs, voilà. Et voilà, et c'est tout. Je ne peux pas dire plus. Et voilà. C'est marrant parce que c'est la même chose que Body, c'est dans un bench, mais dans l'autre équipe, donc il y a les deux meilleures équipes du monde, enfin de françaises, qui sont Vitality et G2, et on a un de chaque, et c'est la même chose, ils ont le même profil, parce que eux, ils ont un projet qui sont déjà en train de se préparer et qui vont bientôt le faire, et bientôt exploser, et c'est marrant qu'on les a juste avant, quoi. Moi, ça fait un an que je me prépare pour cette bioc. Hein. Et voilà, c'est ça. Voilà. Comme par hasard, les deux qui sont un peu dispo, hop, ils arrivent dans notre line-up. Ah, attention, hein, n'y voyez pas que des coïncidences, évidemment. Tout ça, c'est des contrats qui se négocient depuis des années, etc. Bon, alors, on va jouer à CS ce soir, hein, messieurs. Voilà, les paroles, c'est bien, mais les actes, c'est beaucoup mieux. Ici, on est plutôt dans les actes. Donc, je crois qu'on est déjà quasiment prêt et qu'on peut lancer le match. Hein. Moment, c'est, ouais, je crois, toi, le leader du groupe. Alors déjà, je vais commencer par une première question pour donc Body et NBK. Vous savez que la map cache va être renouvelée. Ouais. Vous pensez à quelle map qui va être enlevée? Et est-ce qu'à la DreamHack Winter, quelle map Alors là... Moi, je dirais... Vas-y. Allez, bah, merci. Vas-y, la parole. Merci, vas-y. Ça me fait plaisir. Alors moi, je pense que Mirage va être enlevé. Ouais. Et je pense également que Cash ne sera pas au bioc. Ok. Ah, donc tu penses qu'on aura deux maps en moins? Non, je pense juste que Mirage sera toujours là le temps qu'il l'enlève. Ok. Bon, alors. Attends, Nathan, je te laisse la. Oh, pardon. Non, m'excuse. Pas de problème. Il va falloir qu'on trouve plus ou moins un leader ou un shotcaller. Ce sera évidemment pas moi. Je sais pas qui doit avoir ce rôle. Je sais pas si Manu, tu pensais à quelqu'un ou si. Si Nathan, moi, je suis pensais à quelqu'un. Québécois, personne m'a compris. Non, ce sera évidemment pas Carl Junior. Je dis pas Carl, je m'entends. Quel bâtard. Non, vous y avez pensé, réfléchi un peu à ça? Parce que moi, il me semblait que c'était NBK qui allait prendre le lead, mais je sais pas si c'est officiel. Je sais pas, je pense que ça peut être un peu à l'arrache. Je pense que Manu a bonne énergie pour emmener le groupe. Ouais. Et puis après, il balance des petites idées. Et si on n'est pas d'accord, si je ne suis pas d'accord, je dirais non. Ok, il dira juste non. Okay. Non. Ok, bon, on change, allez, on va B. Après, il nous faut. Bah, je pense que c'est intéressant d'avoir un bon apport d'énergie déjà de base pour être. Ah donc. Non, mais je pense que c'est une bonne idée parce que. Ce qui serait bien, c'est que toi, NBK et Body, vous serez genre les mecs qui mettent des têtes et qui réfléchissent pas, donc. Et qui mettent vraiment. Enfin, qui va tuer tout le monde parce que si tu dois nous leader, donc leader un Québécois, un Espagnol et un influenceur, ça va être un peu genre. Bah, à gauche, mais non, pas là. Tu vas être trop énervé et finalement tu vas pas pouvoir, tu vois. Donc, peut-être moi, je vous préviens, je confonds ma droite et ma gauche in-game. Hein. Donc, déjà, okay. Déjà, ça c'est réglé. C'est noté, c'est bon. C'est noté. Non, alors, mais par contre, il va falloir aussi qu'on s'attribue des pauses, etc. Oui, et moi, comptez pas sur moi pour ça. Donc, bossez les trucs. Hein. Moi, je serais un robot, je serais votre robot, y a pas de problème. Mais il faut quand même me dire quoi faire parce que sinon, moi. Je rush tout seul, hein. Y a aucun problème. Donc moi je suis un peu comme un bot, va falloir me parler avec la radio, le vocal in game, tu vois. Donc si tu me dis reste là, je reste là. Oh la vache. On revient sur Vertigo. Si tu me dis avance, j'avance. Donc voilà, y a pas de souci, mais bon. Bon, alors est-ce qu'on go? Ah oui, on a totalement go. Et et voilà, moi je vais cette map. Je vais tweeter pendant ce temps-là. Vertigo, cette belle map. Ah, on commence, d'accord. On commence hardcore en direct. On commence sur les chapeaux de roue, mesdames et messieurs, avec Vertigo. Oh merde. Manu n'a rien respecté. Formidable. Bah, j'ai mis les 7 maps qui seraient dans la bioc. Hein. Merci Manu. Ouais, mais déjà, déjà, on va pouvoir en ban une. Ouais. Alors, moi, je connais pas cette carte. Voilà. Ah, il y a deux étages, c'est vrai, quel cauchemar. Dans cette map, c'est vraiment le bordel. Manu, t'as un peu abusé là. Ah ouais? Vous la connaissez pas assez? Mais putain, mais pourquoi t'as lancé cette map? T'es vraiment un con.
Mais j'ai mis les 7 maps en fait, les 7 maps du bloc, vu qu'on n'a pas encore veto et tout. C'est vrai que si on veut prétendre à gagner le bloc, il faut jouer les 7 maps. Exactement. Parce que et ça peut tomber sur la profondeur de jeu. Alors, quand même. C'est vrai que maintenant qu'on y est, maintenant qu'on est dans le vif du sujet, mesdames et messieurs, il faut qu'on vous dise, nous on y va pour gagner le bloc. On n'y va pas pour participer, on espère faire de notre mieux, mais on espère surtout gagner. Donc on va s'entraîner le plus possible, peut-être pas tout le temps en équipe, parce que c'est compliqué de nous avoir nous 5, hein. Ouais. Les gars ont des emplois du temps incroyables, c'est insupportable. Mais moi je vais le plus prac possible, je vais beaucoup jouer avec Moment notamment, et quand on jouera en équipe, on pourra jouer en équipe. On va beaucoup se parler pour s'attribuer des pauses, etc. Mais le but, c'est clairement de gagner. Voilà, le but, c'est de gagner. Et pour ceux qui se doutent pas du truc, ce sera streamé sur place. C'est-à-dire, le but, c'est comme à chaque fois que je fais une LAN et que j'y vais, on se sera streamé sur place avec multipov, mais un seul live. Et voilà, tous avec la régie, etc. On est en train de s'organiser un petit peu pour amener un truc un petit peu stylé là-bas, même si on sera quand même sur des tables de LAN à l'arrache avec des chips et de l'eau. Mais on va essayer de se débrouiller pour que ce soit un truc pas trop dégueulasse. Mais voilà le but. C'est parti, on est en jeu, je ne parle plus. Manu. Vas-y, on commence, vas-y, on monte tous en haut là. On va aller en haut. Okay. T'as déjà joué la map, Manu ou... Ouais, je la connais. J'ai pas acheté, putain. Ok, ça va. Marche. Non, c'est pas grave. Attends, je saute pour vous, ok. Vous êtes prêts? Avec plaisir. Okay, on attend. C'est bon, je suis là. Vas-y, Manu. 2, 1, go. Je saute. Ok, on va passer à gauche. Un port. Je suis mort. Les deux en B. Oh, oui, oh, Manu est tombé. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est trop bien. C'est un départ sur les chapeaux. Mais non, body. Oh. Il a voulu jouer le timing. On achète, hein. Moi, faut me dire. Hein. On achète, très bien. On achète. Okay. Tu l'as joué cette map, Nathan, non? C'est ouais, JR, il faut acheter. Vas-y, bah, mets les positions le mieux pour les équipes, pour body, genre vous deux séparer par rapport à. Tu devrais nous donner attends, en fait. Là, go, je joue à groupé. Ok. Manu, ouais, reviens sauter la lune. C'est bon, tiers 3. Oh, ça arrive dans le mid, ça arrive en haut. Je regarde derrière, je crois qu'il y a un derrière. On est ensemble, tout va bien se passer. Encore un. À droite. Et oui, le nom de l'équipe, ce sera indispensable, ouais. Évidemment, et je vais faire des magnifiques pulls d'équipe à Carl Junior, Body et NBK, puisque c'est la tradition quand on va en LAN, bien sûr. Beaucoup de gens ont porté ce pull et vous ferez partie des heureux élus qui ont eu la chance d'avoir ce pull, bien sûr, en LAN. Je vais l'encadrer quand je reviens chez moi. Je comprends. Tu vas l'encadrer. Ah, c'est un honneur. Ah oui, c'est stylé. Moi, sinon, je suis caméraman. Go. Oula, ah bah, très bien. Ça fait plaisir. Tu lui as fait peur, c'est ça? Ouais. Je pense que là, ce qui est bien, c'est d'aller un peu partout sur la map, on découvre. Oh, j'ai fait un kill! Ah non. Non. Et t'as aidé. Voilà. Pour ceux qui connaissent pas la map, promenez-vous un petit peu et regardez un petit peu, on pourra commencer à. Attends, tu sais quoi? Alors attends, vas-y, balade-toi. Je sais pas si ça m'aide de me promener. Ah ouais, bah, voilà. Je vais aller derrière toi. Je vais visiter au couteau et on va voir si NBK peut me protéger. Caméra embarquée sur Zera, vas-y. C'est parti, je suis caméra. Moi je suis journaliste, moi. Vas-y, t'es le bombeur. Voilà, protéger le journaliste. Alors attendez, on va partir par là. Regarde. Vas-y. Alors là, c'est vers le A. Comme il y a marqué au mur. Peut-être pas me mettre sur les lignes quand même. Et là, ça va vers le B. J'aimerais voir ce coin, s'il vous plaît. Vas-y. Ils sont pas là, t'inquiète. Donc là, normalement, c'est au-dessus là. Ils sont au-dessus à droite là. Oh putain. Oh, voilà. Vas-y, on protège le caméraman. Encore une fenêtre. Oui. Allez-y, les amis. Donc là, en gros, par cette fenêtre, les CT, s'ils sont de l'autre côté, ils peuvent venir dans cette fenêtre et passer par-dessus. Ok. Et toi, de ton côté, faut que tu te boostes, tu veux passer. Et là, c'est là où tu veux planter la bombe. Ok. Bon, je vais pas planter. Là, c'est le bébé. Je le visite encore un peu. Là, c'est le spot est-ce CT. Est-ce que je peux me faire flank? Non. Manu, tu connais la map? Ouais. Ah, ça fait plaisir. Tu la connais toi? Un vrai capitaine, bien sûr. Ah. Oh, il est là! Oh, bien joué! Il là, faut faire attention là-dessus parce que il est là, ça donne pas vraiment l'information. Mais parce que Body me suivait, t'inquiète, je jouais avec mon équipe moi. Allez, on continue l'exploration. Attendez, il faut que je finisse le tweet. Faites l'exploration sans moi. Parce que j'ai pas eu le temps de le finir, attendez. Explorons. Vas-y, Alex, va en haut, je te fais la flash. Bah, mets-moi la flash du coup. La flash. J'attends de la flash. En haut. Vas-y, la flash. C'est parti. Elle est parfaite. Moment. Elle est parfaite. Oh, elle était super. Qu'est-ce qu'il est blanc. Et body. Il y en a là-bas. Hop. Il est mort là-bas.
Voilà, c'est bon. Il y en a par ici. Putain, je suis mort, vous déconnez. Moi, c'était mort. Ah merde. J'en reviens pas, quoi. Il a spawn. Une, ouais, une seule mission et ils arrivent pas à la remplir. Salut, ça. Putain, mais où est le con? Mon dieu. Bravo. Vas-y. Hop, hop, hop là. Manu, retiens-moi, je pense que je vais faire une connerie. C'est quoi? Retiens-moi. Je fais une connerie, Manu. Calmez-vous, saute pas, calmez-vous. Non, non, saute pas. Calme-toi. Ne saute pas, ne saute pas. C'est une mauvaise journée pour toi. T'inquiète pas, les autres journées vont être changées là. Saute pas. D'accord. Merci, merci à vous. C'est bon. Ouais, merci, c'est bon. C'est bon. Ouais. J'y retourne. Non. Non. Attends, attends, calme, calme, calme. C'est bon, je reviens. Vas-y là, montre-nous, montre-nous. Et contre-moi. Ok, c'est parti. C'est parti. Défonce-le. C'est juste parti. Ça vous flash, regarde, ça vous flash. Oh putain, on a mis. Attention, derrière nous, y'en a un. Rien. C'est parti, c'est parti. Ok, continue. Ils ont push le A. Regarde à gauche, regarde à gauche. Ça peut vous aiguiller. Ouais, ils sont déjà spawn. Hein. Pas de ouf, mais. Je suis tellement confus, man. Tellement perdu sur cette carte. Ah mon dieu, alors les deux, il y en a un en B et un mid. Ah, BK est mort, il est pas si fort. Hein. Ouais. Vous voyez plus fort, perso, c'est beaucoup de chance. Hein. Non, mais ça fait 10 ans de chance. Hein. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est la chance avant tout. Ah, j'ai planté, c'est insane. Oh, c'est où ça? Oh, le chanceux. J'ai planté en A si des gens ça vous sait. Ah, il est là. Merde, putain, je voulais faire un rebond. Voilà. Ah, c'est beau. Il était en bas là. Il est toujours là, à gauche. Oh, le mule. Moi. Oh non, il nous tue tous quoi. Il est trop doué. C'est bon. Bah, je suis sûr que ton vrai potentiel, Karl, de toute façon, ça sera quand t'auras 5 de ping à la dame. C'est vrai que t'as un peu de ping du coup, ouais, 112 quand même. Ah, j'avoue. Bah, c'est l'océan. Eh ouais, c'est l'océan. Ouais, l'océan. L'océan, ça donne du ping. Un peu. Mais là, il y en a en Espagne aussi. Hein. Un petit ping aussi. Alors, c'est vrai, parce que là en fait, on est que Manu et moi en France, mais. Non, NBK, t'es pas en France là. Non, je suis en Autriche. Donc, NBK en Autriche. Body, toi, t'es en Espagne, c'est ça, à Séville? Ouais, ouais, c'est vrai. Et Carl Junior est au Canada, à Montréal. Oh, oh le fou! Ah non! Super. Ah non, non. Attends, Body a TK un moment là, non? Pas, non, pas du tout. Allo? Je vais me rattraper, je vais me rattraper. Moi j'ai cru voir ça. Non, j'avais cru voir, mais je connais pas bien les pictogrammes encore donc. C'est bon. Ça doit pas être ça. T'as bien joué quoi. Bon, allez, allons vers le A, allons vers le A. Faisons un truc genre un peu structuré, comment on va faire l'annonce. Mais en condition, Ok, vas-y, je prends du stuff, c'est énorme. Ok, vas-y, Zer, tu mets la smoke défaut, je mets la smoke en VP. Ouais, ça marche. Et tu mets le crevette, ok? Ok. Crevette? Okay. Il y a un spot qui s'appelle crevette, c'est ma blague. Ah, venez. Ah merde, c'est pas le bon spot. Là, c'est en bas, les gars. On est par ici, allez. Ouais. On encadre. Je mets la flèche à la de fruits, flèche à la de fruits qui part. Un crevette. Ouais, c'est énorme. Normalement, toutes les zones, tout va bien. Oh putain. Ok, c'est super. Je vois des boss stuff qui partent là. Oh là là, je vous flash tous. C'est bon? Allez. Pas mal. Merde. Voilà, et là, on plante dans les smokes. Bien sûr. On tue tout le monde. Là, c'est le knife. Derrière nous! Par là où on est arrivé. Alors par contre j'ai aucune idée du niveau du bioc de la DreamHack, je sais pas du tout. Ouais, je sais que les dernières biocs il y a des anciens joueurs, des anciens très bons joueurs, mais il y a aussi beaucoup de... Je sais pas, mais le cash price est très très faible. Je pensais que ce serait plus honnêtement pour une DreamHack Winter. Le cash price, je crois que c'est genre... non, c'est genre 5000 euros pour tous les joueurs quoi. Et je pensais que ce serait plus. Je crois que c'est même moins. Après tu peux demander une invitation au tournoi principal hein, tu peux essayer. Ça ira. Bah on fera ça l'an prochain. Ouais, quand on aura un peu d'entraînement. C'est ça. Je me suis dit c'est peut-être un peu prématuré, il faut construire notre jeu d'équipe. Il est vrai. Et Manu, et on voilà. Compte sur toi. Hein. Non pas 5000 euros par tête, 5000 euros pour tout le monde. 5000 euros pour tout le tournoi quoi, ça veut dire genre les premiers doivent gagner 3000, les deuxièmes 2000, c'est un genre de truc quoi.
Le rôle de Zera, c'est supporter, il offre les goodies à la team. Exact. Je vais regarder qui a gagné l'année dernière. Ça va donner une ordre. Une ordre d'idée. Ouais, voilà. Ah, tu peux le voir? Bah, je pense, ça va se trouver. Internet, la technologie, c'est beau. Il connaît pas encore, mais. Non, c'est voilà. Vrai. Vas-y, go, venez, oh venez. Voilà, on passe là, go sauter. Hop là, et là, on est en B. Tu plantes la bombe, je plante la bombe plutôt. Oh, c'est incroyable, et hein. Manu, quel mouvert. Tiens, regarde, viens, viens. Il est au-dessus, son jaune. Et là, je te rebousse sur lui. Ah ouais, putain, passé côté, quel caviar, quoi. Oh, c'est beau. Mais oui, j'ai toujours un sourire vers ces moments. Et merde. Ouais, c'est un cauchemar. Hein. Mais non, mais en fait, quand tu réfléchis, quand t'es dans un hélicoptère, un avion. Ouais, d'accord. Tu fais comment? Ouais, bah, là, bah tu joues pas à la souris c'est en général. Bah, tu t'amènes ton. Ta barre vers toi. Mais oui. Donc, c'est la même chose, là, j'amène ma souris vers moi. Oui, tout à fait. Parce que je suis un avion de chasse. Ouais, exactement. Ouais. Parce qu'on dit. Non? Ouais, exactement. Ouais, je comprends. Ouais. Ouais. T'as pris des bons joueurs. Manu, je te mets la flash. Pense. Vas-y. Non, c'est gagné. Là, j'y vais au couteau. Ah, j'adore. On va à un seul endroit de la map. Flash sapin de Noël. Oh, mange. Pouf. Oh là, il va se calmer lui. Hein. À gauche. Eh, c'est une équipe de nice guys. Hein. C'est. La porte est ouverte. Oh non. C'est ah. Il y en a un vers le bas, spawn CT. Il a cassé la porte. Paf. Non. C'est vrai que c'est pas cool. Hein. Alors déjà que c'est en construction et tout. Ah désolé. Bon, t'as besoin d'aide toi un peu? Ouais. C'est bon, on est là, tout va bien. Je croyais que c'était le site. Merde. Non mais viens, le BPB c'est là, regarde, viens. Non mais gauche. T'inquiète, je vais trouver un site. Merde. Good job. En fait, ce qui serait bien, c'est qu'on sache où sont nos poses CT, comme ça en terreau on attaque nos poses, comme ça on apprend en même temps. Ah ouais, c'est pas con ça. Oh, c'est beau ce que tu dis. Ah ouais, génie hein. Pas aller là, putain. J'ai vu qu'on va mettre sûrement body et Alex, tu joues sur Vertigo Voilà, exactement. Pivot du B. Ok, bah, je vais jouer plus à du A là. Bah ouais, parfait, c'est bien ça. Mais écoute, okay. Tu peux tout jouer Vous êtes si fort, faut jouer partout. Mais vaut mieux que vous ayez votre position et en plus si vous êtes pivot, c'est parfait. Hein. Ok, alors attends, on va faire quoi? Laissez-moi 2 secondes, il faut que je me concentre. Allez. Avec moi-même. Concentre-toi et tu nous dis. Attends, je le mets dans un coin et je. Non, par contre, question pendant que tu te concentres, est-ce qu'il y aurait moyen, vous pensez, je parle surtout à NBK et Body, qu'on se trouve des joueurs pour faire des pracs contre des gens genre forts? Genre ah, un ou deux soirs. Toutes mes soirées. Ah merde. Non mais un ou deux soirs, peut-être pas. Ouais, franchement. Ouais, je pense aussi. Ce serait sympa. J'adore cette mentalité. Un peu. Ouais. Parce qu'on va. Et tous les jours, 9h par jour. Je pense qu'en Nova 3, on va vite être limité, mais. Il est vrai. Mais après, on prendra nos comptes hein, et ça sera plus difficile. Ouais, non mais même. Là aussi. Non mais je peux trouver, pas de soucis. Ça se fait. Donc alors pour les pauses. Manu, tu vas jouer mid. Ok. Oh merde. Putain, il suicide, ça y est, ils en ont marre. C'est le FF. De toute façon, on jouera pas le CCT, les mecs. Hein. Quand c'était dit. Putain, je suis mort. Ah, peut-être que si. Qui va sniper chez nous? Je dirais que ça va être moi principalement et je vais tourner sur la map. Et après sinon on pourra jouer à plusieurs de toute façon parce que vu que les équipes en face n'ont pas un niveau de ouf, ils sont pas ultra préparés. T'en as un spot CD. Oh mon dieu, attends, je suis en clutch. T'en as un spot CD. 15 HP. Oh, 1v1 1v1 putain. Est-ce qu'il va le faire? Aucune pression. Là, il est où? Dis-toi qu'il y a autant de viewers qu'un Major CS cast sur un live français. Non, là tu peux plus. Combien t'as? Mais t'es un fou! Oh, mais quel troller! Mais what the fuck! Il y a 5k à gagner! Je voulais jouer le CT, les gars, tranquille, faut un peu d'entraînement. Hein. T'es un fou, toi, hein? Ça va pas aller, oh, ça! Oh hein. Là, vous êtes chiant. Donc, Zéro, tu vas là. Ah, avec moi, Zéro, il m'appelle, c'est de le respect de gens. En fait, c'est horrible, Adrien, avant que tu lances ton stream, ils étaient genre 30 000. Maintenant, ils sont 15 000 comme toi. Qui ça? Ah, le Major! Le Major Dreamhack. Bah écoute, ils avaient qu'à décaler, hein, moi, il y avait pas de problème. Ah, qu'est-ce qui se passe? C'est vrai que c'est bien annoncé. On a pris un round. Non, body, saute pas! On a perdu un round, les mecs.
On a perdu. Non mais attends, mais c'est parce qu'il faisait semblant. Il jouait pas vraiment, tu peux... C'est de la misère à tuer le bot. Ouais, il faisait semblant. Il faisait vraiment semblant. Attends, on va faire une petite technique. Un jutsu, vous connaissez le jutsu? Manu descend. Donne la branche. Mais quoi? Je le vois tomber. Merde, oh non. Putain, mais vous êtes trop dissipé. Non, excusez-moi, pardon. Non, c'est bon, c'est géré, les deux. Oui, toi bien. Les menaces sont éliminées, pas de problème. Okay, c'est les virus. Vas-y, Carlos. Ok. Oh putain. Au moins, Carl, il veut jouer sérieux. Moi, ça me plaît, je vais suivre Carl. En plus, oh, bah lâche. Oh bah, il est. Il y a une méca qui a. C'est parfait, il y a Nathan qui a. Qui a fait croire que c'était en B. Vous plantez, c'est gagné. Stock la bombe. Vas-y, plante, c'est insane. Il faut juste planter, Elvira. Il faut juste la bombe. Ok, vas-y. Bah, une fois que t'auras la bombe, plante. En fait, je croyais que le gros sac derrière toi, c'était le skin de la bombe sur la map. J'ai même pas regardé. On a tous des gros sacs. Putain, c'est nul. Tous des gros sacs, ouais. Allez. Allez. Ouais. Allons-y. Allez, faisons un truc structuré. Allons tous vers le. Chier. Oui. On refait la smoke défaut into mollo crevette et double flash factor. Allez, let's go. Ça fait plaisir. On sent la concentration avant cette exécution solide. Ouais. On voit que tout le monde est vraiment concentré, ça fait plaisir. Oh, derrière nous, y'a un mec derrière nous, Oh. Quelqu'un prend le cul, quelqu'un prend le cul. Je prends. Okay. Ah merde, mais y'a un bot ici. Super. C'est pas un bot, c'est un vrai joueur. Oh, moi j'ai tué un bot. Non, t'inquiète. Allez, question. J'ai la rotation. Ouais. Est-ce qu'il y a des réglages dans le jeu qui nous permettent de mieux entendre à pas augmenter le volume? Je crois pas. Je sais pas. Genre un truc genre le son des bruits de pas précisément, mais je crois pas, non. Ouais, c'est ça. Si. C'est pas... Ah ouais? Si, tiens. Ouais. Alors faut régler le son sur stéréo et non pas. HRT, ouais, je sais pas quoi là. Ou 7.1 ou ce genre de truc. Ouais, c'est ça. Le stéréo, ça permet d'entendre les bruits de pas vraiment précisément. Ok. Tu me dis ce que t'en penses? Si on gagne pas la DreamHack avec ça. Bien sûr. Il est vilain. Ouais, ça badonne. J'aurais donné la bombe. Et... Voilà. Trop bien, je peux les filmer. Laisse tomber, laisse tomber. C'est le bot, on va perdre la bombe. C'est un vrai joueur maintenant. Non, vous inquiétez pas. Vous dites qu'il part seul avec la bombe, t'es chaud hein. Oh putain, il est là. Prends tes responsabilités. Bien joué. Félicitations. Oh bah, belle, bon, essayez de nous donner des pauses là, histoire que moi je vois à peu près où je dois me mettre. Okay, bah toi tu viens en A avec moi. Et Karl, tu vas aller vers le B. Énorme. Yes. Alex, tu pivots au mid B, et moi je pivote. Yes. Ma position préférée. Maman, fais quoi? Oula. Oh là, je vais en A avec NBK, putain la pression. Et toi t'es en B. Je te suis. Tout va bien se passer. Je te suis, je sais pas où c'est. Ouais, on va faire 10. Suis-moi chef. Alors là c'est vers là-bas, tout droit, tu vois. Tu spawns, tu vas tout droit. C'est pas compliqué. De toute façon tu me dis où je me mets hein, je suis un robot. Alors ce qu'on peut faire, c'est que tu vas te mettre là. On fait la bagarre. Ok, tu tues les mecs qui arrivent à côté de toi. On a deux chez moi. Allez, c'est parti. Je serai là toute ma vie. Ils reculent. On les a deux Carl. Vas-y en slow. Ils ont reculé, fais gaffe. J'entends des gens. Une nouvelle. Ils sont pour nous là. Magnifique. Alors sur Vertigo tu entends des gens tout le temps en fait. C'est vrai, parce qu'il y a qu'un étage. Ok, ils sont là, je te laisse Carl. Oh non. Ah, ils sont là, ils sont dans la pente. C'est dommage. Ouais, mais t'inquiète. Non, on s'entraîne. Regarde, là, je les bait pour toi. Et merde. Je fais exprès de pas les tuer. Mais moi, ça va être terrible, je peux pas. Une fois qu'ils sont passés, je suis dans la merde en fait, non? Non, t'inquiète, parce que c'est un beau tir croisé. Moi, je suis avec toi. Énorme. Garde-le. En fait, dès que tu meurs, Nathan, il échappe. Ok. Non. Ils échappent tous. Moi, j'ai confiance. Il me balle par une balle. Normalement, c'est toi ça. Pourquoi ils montent pas? Ils vont arriver. Ouais, il y en a un qui arrive avec la bombe. Ouais, nice. Et 2-1. Bon, par contre, on s'accourt en B, mais il y a la bombe quand même. Non, mais on a la bombe. Oula. Ouais, viens. On va arriver à gauche. Ouais, justement. Oh, en dessous. En dessous, ouais. Allez, fume-le. Oh, je l'ai pas vu. Oh la vache. Fume-le. C'est vrai qu'il était bien caché. Je pense qu'il est lourd. Hein. Ouais, putain, j'avais tout fait, je suis deg quoi. J'aurais dû te laisser, mais bravo. Heureusement nous on a joué sérieux, pas comme les trois autres cons. Ah, c'est vrai, exactement. Les autres trollers là. Moi je te conseille Carl, un petit conseil, c'est de prendre cette arme. Et qu'est-ce qu'on achète là? Sérieusement, moi je connais pas. Alors, tu peux acheter un gros SMG, un MP7, un truc comme ça. Donc j'ai juste le droit d'avoir ça. MP7.
Merde, ouais, j'ai pas ça. Après, Kevlar au cas où, mais en général, tu vas t'en sortir. Ah ouais, MP9, ok. Ouais, MP9, c'est pas mal. Ça coûte pas cher. Attends, je vais mettre. Prends un Kevlar, une ou deux grenades. Tu te mets dans un coin là. Mais du coup, on prend une autre pause, non? Moi, je les attire pour alors, toi. Alors, si tu veux, oui. Vas-y, viens, viens. Mets-toi là. Bon, bah, ouais. Je crois qu'ils sont pas là, chef. En gros, dès que tu t'entends proche, moi, je te mets une flash. Ok. Et en gros, faut juste. Non, te retourne pas, on s'en fout. Et attends bien que la flash pète avant de décaler, ok? Ok. T'es prêt à faire un essai? Ouais, mais ils sont pas là. Hein. Okay. Ouais, c'est pas grave, c'est... on essaye le timing. Vas-y, c'est... vas-y. Oh. Je flash. Ah, mais attends, tu flashes où? Tu la défonces. Tu flashes où en fait? Ah, tu flashes au-dessus, ok. Je pensais que t'allais flasher par là, tu vois. Non. En fait, je pensais que t'allais flasher genre comme ça, tu vois. Il est FK, un truc comme ça. Ah ouais. Non, je flash pas dessus parce que comme ça, justement, ils peuvent pas. Bon, bah les gars, le match est fini. Say bye bye to account. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Ah non, ça, je vais pas le lire par contre. Calme-toi, Karl, calme-toi. Bon, bravo, c'était une belle partie. On a vu nos forces c'est et nos faiblesses. C'est prometteur en tout cas. Mais ce serait bien qu'on fasse des side CT en vrai. En vrai, les side CT, ce serait plus pratique. Master Guardian 1. C'est sûr. Bravo. Mais ouais. Putain, je suis en négatif. 5-6, pas de chance. Pas bravo. Alors, Team Winter 2018. Ah oui, alors va nous trouver les gagnants. Alors, c'était Aïe Lil Mix qui a gagné. Ok. Est-ce qu'il y a des gens que tu connais dedans? Bah écoute, leur dernière équipe était en 2008. Ok. C'est tout ce que je sais. Bien joué. Il n'y a pas plus d'infos que ça. Bon. Ah si, attends, il y a les noms. Attends. Comment ça, il y a des pubs? Il y a des pubs sur mon live? Mais non, Lille, putain, on rigole ou quoi? À moins que Twitch les passe en automatique. Normalement, non, il y en a pas. On a pas besoin d'aller. Qu'est-ce qu'il raconte? Vraiment, le pire. Alors, il y avait Wolfie, Quicks, HNS, Hello et Boden Master. Ils sont chauds, hein. Et du suédois qui met du headshot, quoi. Il y en a pas mal en plus, hein, qui sont chauds. Moi, je les connais pas, je considère que c'est des unknowns. Voilà. Ouais, ça, quand tu les connais pas, t'as de la confiance. Ouais, moi je connais pas, donc ça me fait pas peur. Moi je connais NBK Buddy, puis c'est tout. Alors tu vois, en face, tu m'aurais dit Sardoche, Kenny, Étoile. Là, tu vois, j'aurais flippé. Mais... Ah oui, là, ça fait trembler. Mais là, ce que tu me dis là, bon, ça me. Ouais, ça parle pas. J'ai entendu parler. Non, mais ça se fait. Ça se fait grave. Bah, Manu, tu peux relancer en enlevant Vertigo. Ouais. Et voilà. Possible.